Alain, propos d'un Normand. L'art de vendre. Il y a un art de vendre et 1000 procédés pour vendre, qui consiste toujours à éveiller un mouvement passionné chez celui qui délibère et hésite. Une émotion, un étonnement, ou seulement un changement, secoue l'homme perplexe et font tomber la décision comme un fruit. Vous connaissez ces petites voitures chargées de fleurs ou de fruits, et que les agents pourchassent. Elles sont condamnées à s'en aller toujours. Mais cela n'est point si mauvais. Le départ de l'objet convoité arrête la délibération et provoque un mouvement instinctif de poursuite. Et voilà qui fait passer du désir à la volonté. Ce qu'on poursuit, on le veut, parce qu'on le poursuit. Ainsi est bâtie la mécanique. J'ai connu un vendeur de journaux qui venait après les autres et vendait beaucoup plus qu'eux. Comment ? C'est bien simple. Il courait toujours, comme si des acheteurs l'avaient appelé à droite, à gauche. C'est à peine si on le voyait, c'est à peine si on entendait son cri, le cri de l'homme qui crie par habitude ou par condescendance et qui a sa journée faite. Ce mouvement enragé donnait l'idée de poursuivre et d'arrêter. Ainsi on avait le journal dans les mains avant d'avoir voulu l'acheter. Je viens de voir, sur la place du marché, un homme qui vendait des coupons. Il avait dressé un grand parapluie rouge et s'était coiffé d'un chapeau rouge. Très habile cela. On sait que le rouge éveille des passions. Son genre était de mesurer les coupons en criant « 1, 2, 3, 4 » sans regarder personne. Puis de chiffonner le tout et de le jeter à l'acheteur. Un autre recevait l'argent. Ses gestes violents attiraient l'attention. Chacune des bonnes femmes qui étaient là s'apprêtait malgré elle à recevoir le paquet. Et ce geste était déjà un consentement. J'ai vu mieux. Un homme vendait par lot des porcelaines manquées, mais utilisables. Il mettait chaque lot aux enchères. Si personne n'enchérissait, il baissait son prix jusqu'à une limite. Alors, 1, 2, 3, froidement, il brisait le lot. On devine les clameurs, là autour, et ce qui en résultait. Mais cela, ce n'est plus du talent, c'est du génie. 4 septembre 1907.